Bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde édition du Challenge Skyrock. Le jury va apprécier des prestations, pas de stress, puisque le direct, ce sont des aléas. Et le codage, eh bien, c'est aussi savoir s'adapter en fonction de ce qui se présente. Vous voyez bien le sens du parcours. Le rond-point est là, donc nous, on place notre timio. Il doit y avoir une marque pour le départ. On essaye de bien aligner le timio au départ pour éviter le moindre problème. Vous avez vu où est l'ordinateur? Alors l'ordinateur, c'est qui? C'est toi ou moi qui porte? C'est Angelina que je porte. Je porte. Oui, je porte. Mais comment tu vas faire pour faire le... Tu portes quoi? Il n'y a rien à porter, l'ordi, il est posé ici. Alexis, viens avec nous pour mettre les lunettes sur le petit... Hein? Nous accueillons maintenant sur la scène l'équipe suivante qui s'appelle... Oh oh! Attention, les intellos. Des SEMA. Nous allons, si vous le voulez bien, visionner votre teaser. Intrigue en fonction du nom d'équipe, le teaser qui est envoyé, si l'équipe est mixte ou pas, s'ils ont envoyé leur vidéo de secours, et puis en fonction du parcours choisi, soit un parcours imposé, soit un parcours artistique, et bah nous avons des notes à établir. Le tour est pas bon. Qui va se positionner sur le parcours là où ça n'allait pas? 70. Voilà, là. Là, il faut qu'il tourne plus. On discute. Parce qu'il a été par là. Donc il faut qu'il tourne plus. D'accord? C'est moi? Oui, vas-y. Allez, savoir ce qui s'est passé. Alors en fait, il a pas assez tourné, donc il a foncé dans un obstacle. Donc ils ont augmenté l'angle par lequel il devait tourner. Voilà. C'était bien déjà, c'était bien. Au début, on avait tous le train. Et au final, bah, moi j'ai trouvé que c'était bien parce que de passer à ça de la balle, elle aurait été plus grosse. Elle aurait été beaucoup plus grosse, là oui, on l'aurait touché, on aurait gagné. Et on est tous unis pour un seul but. Ouais, on est tous unis. C'est pour participer. L'essentiel, c'est d'avoir participé. Bon, c'est vrai qu'il y a toute l'ambiance, on est sur la scène, il y a les spectateurs, les applaudissements. Il y a du stress aussi, mais je pense que c'est du bon stress. Ils se rendent compte qu'en fait, chacun a un rôle et chacun peut apporter quelque chose. On n'est pas seul à faire parce que c'est trop compliqué. Et du coup, on a besoin des autres et on respecte leur travail. Et ça, c'est important aussi.